Dans un précédent film, nous nous sommes attachés à l'importance du problématique et de l'activité de problématisation avec les apprenants. Activité à laquelle les enseignants doivent d'abord s'atteler eux-mêmes quand ils envisagent les apprentissages qu'ils souhaitent développer chez ces mêmes apprenants. Mais les idées de problématisation, de savoir problématiser, renvoient à la question du sens. Michel Fabre a transposé la théorie du sens du philosophe Gilles Deleuze à un questionnement didactique. Il nous propose alors le triangle du sens des activités pédagogiques. Trois questions l'organisent. Première question, le savoir que j'enseigne est-il épistémologiquement valable C'est la signification. Deuxième question, a-t-il quelque chose à voir avec des activités, avec des pratiques en dehors de l'école c'est la référence. Troisième question, les élèves peuvent-ils entrer dans ces apprentissages et se les approprier C'est la manifestation. Cela soulève d'autres questions. Sur l'axe entre signification et référence, comment concilier valeur du savoir et utilité pour la vie Sur l'axe de la référence à la manifestation, Comment articuler développement personnel et adaptation sociale Enfin, sur l'axe entre manifestation et signification, comment faire accéder l'élève au savoir Dans d'autres films, nous tentons de répondre à ces questions, mais ici, ce qui nous semble important, c'est la mobilisation de situations pédagogiques à potentiel problématique qui permettent plus facilement de tenir ensemble la manifestation, la signification et la référence et donc le sens. Prenons un exemple quant à la conception d'une séquence pédagogique sur la place de l'arbre dans les systèmes de production agricole par deux enseignantes en bac technologique STAV pour l'équivalent d'une vingtaine d'heures de cours. Sur la signification, euh, elle cible quelques savoirs qui leur semblent organisateurs pour que les jeunes commencent à s'y connaître sur le sujet. Euh, ces savoirs sont les services écosystémiques, des savoirs euh, sylvicoles nécessaires aujourd'hui à repenser la place de l'arbre dans les systèmes agricoles et surtout le couple fonction-fonctionnalité. Elles ont fait émerger ces savoirs dans leur revue de littérature et dans les contacts avec des professionnels du monde agricole. Concernant la référence, selon elle, la séquence fait sens car l'arbre commence à redevenir une référence sociale dans le monde agricole. Des programmes de recherche, des aides à la plantation, des labels comme le label A, existe, se développe et donc redonne à l'arbre une place de choix dans le monde agricole. Les enseignantes s'intéressent aux sources de motivation des élèves pour l'arbre. Euh, l'arbre est à la fois connu et, et, et méconnu, donc euh, il y a de la découverte possible. Le rapport entretenu par les jeunes à l'arbre les intéresse également. Euh, l'arbre, mais ça sert à quoi Pourquoi faire un arbre chez les jeunes issus de monde agricole, c'est peut-être une question euh, socialement vive, euh, une question qui, qui fait débat et sur laquelle il peut y avoir euh, des tensions, des clivages. les enseignants envisagent enfin euh, des plantations d'armes pour entretenir la motivation euh, des jeunes considérant ces trois conditions ensemble comme constructrices du sens de leurs activités pédagogiques, elle propose finalement aux jeunes le défi d'une commande du directeur d'exploitation du lycée quant à l'implantation de haies sur une parcelle céréalière exposée sur les hauteurs d'un plateau et sujette à érosion. Nous l'avons vu, le sens de l'activité pédagogique est donné par euh, la relation entre la signification, euh, la référence et la manifestation. Euh, néanmoins, le sens dépend également de la valeur de la proposition. En gros, une situation euh, problématique qui est faite aux apprenants. Euh, proposition euh, qui ne vaut que par le problème qu'elle prétend exprimer ou résoudre.